J'arrive pour envoyer Michel. Attends, on va en remettre. J'ai envoyé un échantillonneur d'aérosol. Donc ça ressemble à un thermos à café, mais dedans c'est une petite pompe qui aspire de l'air à travers un filtre. Et au bout de 4 heures, on récupère le filtre pour voir tout ce qui s'est déposé dessus. C'est une des manipulations demandées par Michel Flores, d'où le Michel. Je ne parlerai pas au nom de Michel. Parce que j'en sais rien. Sans un aérosol, il n'y a pas de nuages. Sans nuages, il n'y a pas de pluie. Sans pluie, il n'y a tous les cycles de l'eau. Je suis arrivé à Tara la première fois. Ils ont dit bonjour, je suis Michel, je vais étudier les aérosols. Ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai besoin d'installer quelque chose en haut de main et je vais prendre tout l'air. Et tout le monde m'a dit quoi? Je vais tester celui en bas et je te dis. Oui, on monte souvent en haut des mâts, mais pas pour accrocher des aérosols, ça c'est clair. Bah après, ça, peut-être qu'on va lancer des idées, il y a plein de bateaux qui vont le faire, je pense. Tara, ça a toujours été un précurseur pour essayer le matériel. Quand on a essayé plein de choses depuis Tara Océan, qui sont maintenant refaits sur d'autres bateaux. On dit toujours qu'il faudrait plusieurs Tara, mais si on peut mettre le même matériel scientifique sur plein de bateaux, bah on en saura encore plus sur ce qui se passe sous l'eau, sous les océans. Quoi. Et du coup, dans l'air aussi. Je suis un chercheur à l'Institut Weizmann à Israël. Je suis mexicain, mais je travaille là-bas. Et mon spécialité, c'est l'interaction entre l'océan et l'atmosphère. Et les processus de formation de particules qui sortent de la mer à l'atmosphère. Les bactéries, les virus, les planctons qui sont dans les derniers millimètres de la surface de la mer, c'est complètement différent à ce qu'il y a à 5 mètres de profondeur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va sortir à l'atmosphère. Donc je m'intéresse à ce qu'il y a dans les derniers millimètres. Parce que ça, c'est les derniers millimètres avant de sortir à l'atmosphère. So as you can see here in this mesh structure, metal wire, I'm collecting small droplets and then I'm letting it slowly drip into my funnel to collect this water and the microbial community associated with it. What we hope to be able to show in the future is the movement of the microbes from the ocean to the atmosphere and then also with the long-range transport up in the atmosphere. And we try to do this by comparing the communities. Tenemos una hipótesis que pensamos que tiene que ver con los microorganismos que hacen fotosíntesis. Los organismos convierten la luz del sol en energía. Entonces, cuando están comiendo luz, ellos van a sacar oxígeno. Entonces, si están haciendo fotosíntesis, están sacando más oxígeno y la superficie del océano está supersaturada, lo que pensamos que va a pasar es de que se van a formar más burbujas. Y si se forman más burbujas, van a salir a la superficie y van a explotar. Entonces es una conexión de la biología con la parte física de la atmósfera. This device is just a high-powered vacuum. So essentially, it will suck and filter the air onto a filter that collects all of the particles in the air. So both living particles, but also inorganic particles, such as dust or sea salt that's from the ocean. This filter is a woven mesh, and it should be able to filter particles as small as bacteria, and also some of the larger viruses too. Il y a des choses qui sont déposées. Ce que tu verras sur celui qu'on met, qui est vierge, en fait, t'as pas les petits points noirs comme ça. These samples will end up at ETH in Zurich, Switzerland.
where probably me personally, I will be extracting the DNA. And then from that DNA, we can send it away to get genetic sequencing. And with those sequences, we can start to have a look at those barcodes to identify the species, as well as hopefully having a look at the genes that they have to understand, do they have genes that might allow them to survive in the air, or do they also have genes that might be harmful or a pollution in the from air to sea or land to ocean. Obviously, we're trying to link land and sea. We will be able to actually see the way we are using land, the way that we are using our seas, how that might be affecting our airways that are actually, one, we are breathing, but also if we are affecting the airways in terms of creating pollution, how can it be moving from one environment to another? Con Tara, yo creo que tenemos la mayor cantidad de mediciones del mundo, porque yo he medido con Tara, yo creo que yo tengo unos 3,000 filtros, porque tenemos mediciones en el Pacífico, en el Atlántico Norte, en el Atlántico Sur cerca de Sudamérica, en Antártica, tenemos alrededor de Europa, entonces tenemos como que fotos en todas estas partes del mundo y eso nos puede llegar a ayudar a entender cuál es la distribución del microbioma en el aire.